Dieu est grand et exalté en puissance. Il est plus majestueux que tout. Les cieux racontent sa grandeur et l'étendue manifeste sa merveilleuse création. Jour après jour, ils ne cessent de parler. Et chaque nuit, ils le font connaître. En créant les cieux, Dieu créa aussi la terre. Et à partir de la poussière du sol, il créa l'homme et lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Le Dieu d'amour créa l'homme et la femme à sa ressemblance, pour qu'ils soient en relation avec lui. Ainsi, au commencement, ils révéraient et honoraient Dieu, et ils vivaient en harmonie avec lui. Il en fut ainsi jusqu'au jour où Satan tenta la femme pour lui faire manger le fruit défendu. Elle le donna à l'homme qui en mangea aussi. Ce faisant, l'être humain se rebella contre Dieu et suivit son propre chemin. À cause de ce péché, l'être humain fut séparé de Dieu et jeté hors du jardin d'Éden. Mais Dieu aimait toujours l'être humain. Il n'avait jamais souhaité être séparé de sa création. Cependant, comment Dieu pourrait-il être saint et source de toute justice s'il ne jugeait pas l'être humain à cause de son péché? Dans son livre saint, Dieu révèle son plan pour sauver le monde de son jugement. Abraham fut l'un des premiers à découvrir ce plan.